Aujourd'hui, courrier cœur. Voilà, j'ai reçu une petite enveloppe aujourd'hui. Voilà, je vous cache mon petite adresse. Donc, je ne savais pas que j'allais en recevoir une. Donc, ça fait encore plus plaisir, surtout en ce moment que le facteur passe pas beaucoup. Là, elle vient de la Belgique en plus. Donc, c'est une petite enveloppe de Priscille. Alors, Priscille, si vous vous rappelez, quand j'ai fait le concours du mini-album, le mini-album que j'avais fait en tuto dans une vidéo et que j'avais fait gagner à la fin de la vidéo, donc c'était la gagnante du mini-album. Voilà. Donc là, elle m'a envoyé une enveloppe avec des petites choses dedans. Donc, on va découvrir. J'ai juste ouvert comme ça. Donc, il y a d'abord une petite carte pour mon amie Edith. Avec un minou. Voilà. Un joli minou dessus. Alors, voici, coucou Miss, voici quelques trucs pour toi. C'est pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir, même quand c'est pas grand-chose. J'espère que ça va te plaire, j'en suis sûre. Un bonjour à ton chéri. Bon, là, alors qu'il est, il est parti coucher, mais demain matin, je lui dirai. Merci pour lui. Et des d'eau douce, oui. Oui, des doudous douces aux petits chiens et des câlins à Fifille. Donc, je vais leur faire, t'inquiète pas, merci pour eux. Donc, Priscille. Alors, merci déjà pour ta carte. J'adore avec le petit chat. Alors, c'est des petites bricoles qui vont me servir pour mon junk journal que je vais enfin commencer. Voilà, des petites ficelles. Alors, ces ficelles-là, j'oublie systématiquement le nom. Je ne sais jamais m'en rappeler. Donc, il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui vont me mettre en commentaire le nom. Je n'arrive jamais à m'en rappeler. Donc, vert et blanc. Et jaune et blanc. Un petit napperon de dentelle, comme ceci. Très joli. Alors, ici, il y a un petit sachet avec plein de petits rubans. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vais l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Bienvenue à bonjour, bienvenue à France. Merci, c'est ma sensation. Des petits rubans comme ça. Donc il y en a deux. Avec la tour Eiffel. Des petits bouts de ruban aussi avec des clés. Et là, des petits rubans de couleur. Donc marron, rose, des noirs. Un bleu marine avec des petits pois blancs. Un violet avec des petites arabesques. Vert avec des petits pois blancs. Un Vichy
blanc et violet. Et ici, avec une écriture en anglais. Voilà. Super. Je vais les remettre dans le sachet après. Ici, les petits embellissements. Alors, je vais mettre avec... voilà. Les petits embellissements en métal. Voilà. Alors, désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Parce que comme bon, certaines d'entre vous le savent, j'ai une maladie très rare. J'ai déjà expliqué dans les vidéos. Cette maladie touche la langue. Donc quand je suis en grand stress, quand j'ai des problèmes ou quoi, j'ai les douleurs qui se mettent sur la langue. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, bah, je suis en grand stress, hein, peut pas mieux. Et du coup, je suis en crise haute et j'ai mal tout le temps, sauf quand je dors, heureusement. Mais dès que je me lève et que je mets un pied en dehors de mon lit, boum, ça y est, j'ai mal. Et là, ce soir, j'ai quand même assez mal. Et c'est pour ça que là, je suis désolée, mais j'ai un bonbon dans ma bouche, un bonbon à la menthe, pour essayer de calmer un peu la douleur. Pour réussir à vous parler. Voilà. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, vous entendez que ça... que ça bloque quand je parle. J'en suis désolée. Mais bon, là, de toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on va dire que ma langue, c'est une éponge. Hein. Chaque problème, chaque... je vous dis, le stress, si je suis malade, si je reçois une mauvaise nouvelle, voilà. C'est une maladie très, très rare. Et... on n'est que 1% de la population à l'avoir. Manque de peau. Je suis dedans. Voilà. Ça fait 11 ans hein, que j'ai ça. Donc, je prends des traitements, mais bon. Voilà. Donc, je disais, ce n'était pas le sujet du jour. Donc, encore, excusez-moi encore si vous trouvez que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, je vous montrais les petits embellissements en métal, un style un peu vintage, que j'adore. Ici, elle m'a mis des petits napperons en papier. Voilà, comme ceci. Donc là, il y en a deux. Un cœur qui a été coloré et un blanc, un cœur blanc. Et ensuite, donc des papiers que je vais vous montrer. Donc ça, c'est le 15-15. Donc là, il y en a plusieurs pareils, comme ceci. Mais... ben, je crois qu'il y en a trois de chaque à chaque fois. Voilà. Il est joli celui-là. Ouais, c'est ça, il y en a trois de chaque à chaque fois. Il est joli celui-là. Ça fait un peu carte postale. Là, pareil, les fougères, et ici, pareil, il y en a trois, donc des fleurs avec de la verdure, des feuilles, peut-être plus
plus dans ce sens-là. Voilà. Ils sont très jolis ces papiers. Mais Priscille, merci beaucoup. Comme tu me disais dans ta carte, ben, tu espérais que ça allait me plaire. Moi, ça me plaît beaucoup. Je suis très contente. Il y a des choses qui vont très très certainement aller dans le junk journal, ça c'est sûr. Donc là, comme j'ai dit, je vais essayer de l'attaquer. Je vais essayer. Oui, il faut. je vais l'attaquer normalement cette semaine. Enfin, cette semaine, on arrive en fin de semaine. Je vais essayer ce week-end de l'attaquer. Et comme ça, ben, je ferai un petit peu à la fois. Mais j'ai aussi le défi de Sylvie. Parce que là, on est déjà le 3 avril et j'ai jusque fin avril pour le faire. Et je n'ai pas encore commencé. Mais bon, ça va, ça ira. Une fois que je vais m'y mettre, ça va aller vite aussi. De faire un mini-album avec les papiers scrap que je vous avais montrés. Je ne connais plus le nom, mais vous saviez, c'était un couple avec le parapluie, sous la pluie, avec des couleurs noires et rouges. Voilà. Priscille, encore un grand, grand merci. Je te fais un grand bisou. Je te remercie beaucoup pour ce petit envoi. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Le petit minou, là, aussi. Et je vais vous faire à tous, du coup, des gros bisous. On va se retrouver, j'espère que vous me retrouverez en meilleure forme sur la prochaine vidéo. On va se retrouver très prochainement, comme d'habitude, sur une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures, avec plein de nouvelles choses. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, gros bisous à tous. Et Priscille, encore merci, gros bisous.